Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Les contes du miroir. C'est de Jacques Rivet. Dans le conte du miroir, il y a plusieurs contes. Moi, je vais vous présenter le petit moulin magique. Le thème, c'est A à Z Z A. Ce que j'aime dedans, c'est parce que moi, je trouve qu'il est rigolo. Je vais commencer à vous lire. Le petit moulin magique. Autrefois, Yannick rencontra un korrigan dans un bar de Douarnenez. Bravement, il accepta de boire avec lui un verre de whisky. Cela fait le korrigan se montra généreux. De sa poche, il tira un minuscule moulin d'argent qui, dit-il, venait de Glasgow. Il éleva les bras en V. Foi de korrigan, s'écria-t-il. Ce moulin te donnera tout ce que tu désireras. Je t'en fais cadeau. Garde-toi seulement d'oublier la formule magique pour l'arrêter. C. Bara, la tata, la tiba. Et B. Yannick se retrouva soudain seul dans le bar avec le petit moulin dans ses mains. Il faut que j'essaye ce moulin, se dit-il une fois revenu dans sa forme de chemin. Et il demanda au moulin de lui montrer une belle maison en pierre à bâtir, jugé de sculpteur de la magnifique villa qui se construisit tout seul sous ses yeux. Yannick manqua de tomber sur le queue. Corrigan, murmura-t-il, tu m'as fait un cadeau royal. Mais il faut arrêter l'affaire, car cette villa a au moins 10 chambres de trop. Le jeune homme cria la formule magique pour l'arrêter. C'est Bara, la tata, la tiba. Et le moulin cessa de moudre jusqu'en terminant la rue. Mais le frère de Yannick, Yvon, avait à l'assister à la scène. Il approcha d'un air envieux et demanda à Yannick de lui prêter son moulin.